Nous sommes présents dans tous les savoir-faire de la Marine nationale. Et quand vous me dites les trois milieux, je dirais la totalité des milieux de la Marine nationale, comme des autres armées d'ailleurs. C'est le propre de DCI. C'est le transfert du savoir-faire des armées françaises et donc tout particulièrement de la Marine nationale. Et bien, dans le domaine sous-marin, nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir la compétence pour la formation des équipages de sous-marins Scorpène. Nous l'avons fait pour plusieurs pays et ce savoir-faire, nous le maintenons. Pour vous donner des choses plus précises, lorsque des sous-mariniers de la Marine nationale de service actif, comme vous le savez, ils travaillent aujourd'hui sur du sous-marin nucléaire, quand ils arrivent chez DCI, nous les formons aux sous-marins de type Scorpène, qui sont des sous-marins classiques, et nous avons ce savoir-faire qui est maintenu. L'Almaque est un formidable succès. Un formidable succès parce que ce bateau, nous l'avons construit avec les chantiers Piriou, une entreprise de taille comparable, et nous avons réussi en peu de temps à construire un magnifique bateau-école. Magnifique bateau-école parce que sur l'Almaque, chaque cadet est encadré pratiquement par un instructeur de DCI. En fait, il y a un instructeur de DCI pour deux cadets, avec les quarts et les tours de ronde, qui sont encadrés en permanence. C'est un succès formidable. Il y a moins d'un an que l'Almaque est opérationnel. Il a déjà pratiquement fait une quarantaine de semaines à la mer. On vous donne rendez-vous le 20 novembre au stand, où sera l'Almaque, pour toutes les instances européennes. Et gros succès attendu, donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Alors, sur Elidax. Elidax, c'est quelque chose d'innovant, c'est un partenariat public-privé. Nous avons 36 hélicoptères que nous mettons à la disposition de la formation des pilotes français, notamment des pilotes de l'aéronavale. Et nous les formons en formation initiale, nous les formons à Dax, c'est-à-dire apprendre à décoller et à se poser, c'est important pour des hélicoptères. Mais nous les formons également à l'Andivisio, dans l'entraînement pour le maintien en condition opérationnelle. Très beau succès également. Ce sont deux des fleurons de DCI, deux des marques dont nous sommes extrêmement fiers. L'aéronaval, c'est en quelque sorte la consécration de DCI dans le domaine naval. Vous avez dû remarquer que nous sommes juste à côté du stand du ministère de la Défense. C'est notre génétique. DCI, c'est la défense. DCI, c'est la marine. DCI, c'est le transfert des savoir-faire de la meilleure armée d'Europe. Et ça, pour nous, c'est vraiment une consécration. Merci à vous et rendez-vous donc au stand le 20 novembre. À très bientôt.